Les 6 800 euros d'augmentation ne passent pas du tout auprès de 9 anciens salariés de la SPL en charge des musées de la région. Certains sont en procédure judiciaire contre leur employeur. Licenciés comme les autres pour motifs économiques il y a un an et actuellement au chômage, l'un d'entre eux qui souhaite garder l'anonymat crie à l'injustice. C'est doublement injuste parce que c'est un salaire qui est énorme. C'est un salaire qui pourrait permettre à des salariés qui ont été licenciés d'être toujours en poste. Et puis se pose la question de savoir si 6 800 euros à partir de quand ? Juillet 2018, lors du vote de la délibération, ou à partir de janvier 2016, lorsque Didier Robert a été placé à la tête de la structure. Sollicité par nos soins, l'intéressé n'a pas souhaité s'exprimer. L'opposition se dit scandalisée. Il cumule indemnité plus salaire. C'est absolument cela qui est condamnable. Si on rajoute son indemnité de président de région plus le salaire qu'il perçoit à la SPL plus son APL extraordinairement amélioré pour son logement de 2300 euros plus la voiture, il a des revenus qui sont à peu près équivalents à ceux du président de la République. Didier Robert, qui aurait au début volontairement renoncé à sa rémunération, la justifierait aujourd'hui par la forte hausse de la fréquentation des musées, selon nos confrères du quotidien. Il serait également question d'une régularisation suite à un oubli de départ. Je ne remets pas en cause sa rémunération, je remets en cause là que ça tombe maintenant et que ce soit un salaire énorme et qu'il y ait des personnes qui ont souffert l'année dernière d'être licenciées. Quand on exerce la responsabilité d'être un président de région à temps plein, et alors quel est le temps consacré pour exercer cette fonction de président directeur général de la SEM des musées ? La société publique locale de la Réunion des musées régionaux compte 150 salariés en charge de 4 musées, la Cité du Volcan, Kelonia, Stella Matutina et le Musée des Arts Décoratifs.